Hey, yo, what up? It's DJ Premier. You checking it back in the day, you know what I'm saying, with the Art District. Big up. One love. Art District sur Pure Channel, merci beaucoup de venir répondre à nos questions, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Vous jouez à Plage de Rock dans quelques heures, quelle a été votre sensation en arrivant sur le spot? Je pose ça à tous les groupes parce qu'il y a quand même souvent un plaisir de jouer là, de jouer les pieds dans le sable. Trouver les mots, parce que c'est vraiment beau et genre, enfin, forcément on se dit bon, la semaine prochaine on est là-bas et on se dit ouais cool, ça va être beau, c'est dans le sud et tout, c'est classe, on va voir la mer. Et en fait on s'attendait quand même, enfin moi personnellement je m'attendais pas à un truc aussi fat quand même, parce que c'est vraiment beau, c'est beau, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est vraiment en classe. C'est seulement la deuxième fois que cette scène est installée, c'était la semaine dernière Santigold. Ce soir vous partagez l'affiche avec 1995, est-ce que vous connaissez leur son, est-ce que vous aimez leur son, est-ce que vous êtes heureux de partager l'affiche avec eux? Oui. C'est la deuxième fois qu'on va partager l'affiche avec eux. Ouais, c'est clair, ça va être bien fat parce que on est tous les deux hip-hop, mais on vient des deux veines différentes du hip-hop, donc on a pu voir qu'il y a un public qui est curieux, il y a aussi un public qui apprécie le fait qu'on joue avec des icos qui sont pas forcément hip-hop à la base, il y a un public très jeune qui sont fans des 1995, donc je pense que ça va être une belle affiche. Ouais. Ça va être un beau mélange et il y a quand même un point commun en réécoutant les deux albums, c'est une vibe un peu smooth qui est d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire eux c'est plutôt les vieux sons de l'école un peu des années 90 et tout ça, vous il y a un smooth extrêmement jazzy, on va en parler dans l'album, mais il y a des deux côtés cette espèce de hip-hop fort, puissant, mais dans la douceur ou dans le smooth, ouais, je sais pas. Bah, c'est vrai que nous on n'a jamais cherché à être méchant. Après, par contre, ce qu'on veut aussi, c'est que, de par notre live surtout, qu'il y ait vraiment une énergie qui se dégage de là. Donc au début, on était très, très, très smooth. Là, on essaye un petit peu de prendre un peu des vitamines quand même de temps en temps, parce que des fois, on est un peu trop smooth. Et j'essaie d'être méchant des fois. Je le force un peu. J'ai noté, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des chansons où les rythmiques s'emballent bien et du coup, ton flow aussi. Voilà, sur cet album, on va en parler justement. C'est pas toi qui as amené, mais en tout cas ça le fait très bien. Je voudrais parler de l'album maintenant, Live in the Streets, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et alors il faut le dire quand même, il y a 16 titres et ça vaut que 8,99€. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. J'avoue, je connaissais pas le prix internet. En fait, c'est le fruit d'un EP qui a mûri et qui est devenu un album 16 titres. Donc du coup, ouais, on s'est dit que on n'allait pas faire les choses à moitié. Si on rajoutait des tracks, c'était pas pour en rajouter une et demie, quoi. Donc du coup, ouais, on a fait un 16 titres. Comme c'est un premier album, c'est notre coucou au monde. Donc, c'est l'ensemble de vos capacités. Ouais, même côté smooth, le côté méchant. Alors il faut dire quand même que c'est un album qu'il faut écouter en entier parce qu'il y a comme un espèce de deuxième souffle qui est extrêmement étonnant à partir de Back in the Day. Et l'album reprend une énergie et répète, mais on ne s'attend pas à ça parce que c'est la 9e ou 10e. On pense que ça va tout doucement aller vers des trucs plus progressifs et en fait, paf, vous remettez un coup et l'album repart. Donc c'est hyper agréable parce qu'on peut l'écouter plusieurs fois en entier sans être lassé. Mais c'est quand même important. Cool. Ouais, moi j'avoue que je commence à être un peu lassé vu qu'on... Vous aviez cette volonté de faire un album qui prend son temps aussi. Ouais, bien sûr, on voulait faire quelque chose de propre, en gros, et quelque chose de nous, en fait. Et c'est-à-dire que, bah ouais, c'est-à-dire que c'est du truc super péchu ou du truc qui va être aux alentours de 88, 90 BPM, quelque chose d'assez cool, d'assez relax, par exemple, comme Back in the Day, qui est notre hommage au hip-hop, mais qui est aussi quand même une musique vraiment, vraiment détendue, vraiment avec une nappe d'orgue derrière qui est vraiment douce. Et puis c'est beau, il y a une espèce de petite nostalgie qui se dégage de ce titre qui est en rapport avec ce que tu racontes, mais qui est très très réussi. Je voudrais parler quand même donc de l'album en disant qu'il y a un métissage. Alors je sais pas si c'est un métissage qui vient de votre rencontre, de la rencontre avec les Icos. Il y a des moments très jazzy, on va en reparler, il y a des pêches de cuivre qui sont presque funk, la rythmique elle peut s'emballer presque jungle parfois, il y a du mini dubstep dans les rythmiques. Comment il s'est créé ce métissage? Comment vous avez réuni les Icos et vous? Comment vous êtes réunis? On s'est réunis. On s'est réunis, ouais. On est sept, donc forcément le fait est...
d'essayer de faire un son ensemble, de faire du son ensemble, ça fait que lui, il va rajouter un touche un peu plus rock et lui, un truc un peu plus jazz. Et bah, c'est dans la rencontre de tous ces éléments qu'on trouve le son qui est devenu notre son, quoi. Donc ça a pris du temps, ça prend une direction dans une zik et une autre dans une autre, mais c'est tout simplement le fait qu'on est sept issus des univers différents et divers, donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du hip-hop, et hip-hop c'est métissé. Bon, on va en parler aussi justement, parce que je trouve qu'il y a un métissage très new-yorkais. Je voudrais essayer de définir quand même le son ou la signature. Il y a évidemment le flow en anglais qui est très fort et très puissant. Puis ça fait plaisir d'entendre un groupe français avec cette qualité de rap en anglais, voilà, quand même. Mais après, il y a quand même autre chose qui fait votre signature, c'est cette présence très forte de la session rythmique qui est extrêmement importante. Il faut expliquer que c'est pas des boîtes à rythme, c'est un tueur à gâchette à la batterie et la même chose à la basse. Et du coup, ça, c'est quand même extrêmement important, c'est la première chose. Et ensuite, en réponse à ça, il y a quand même souvent ce clavier très smooth et ces cuivres, ces pêches de cuivre, ces ambiances de cuivre. On a l'impression qu'il y a un jeu souvent entre la rythmique très puissante et puis ces claviers et ces cuivres. C'est ça en fait, c'est vraiment notre vision du hip-hop et de notre musique. Joe, le batteur, et moi-même, on a énormément travaillé pour que ce soit... Parce que moi, je suis au beatbox et je suis aussi à la prod, donc à MPC, ordinateur, tout ça. Et du coup, on avait vraiment on devait être parfaitement ensemble et trouver une espèce de son. Et je pense par exemple au son Inside Two Temples, où là, par exemple, il y a vraiment... Il y a du beatbox, il y a un drum kit dans ma MPC, et Joe rajoute de la batterie dessus. Donc effectivement, c'est comme si tu avais trois batteries, en gros. Et donc du coup, ouais... Derrière, il faut que ça cogne, c'est ce qu'on veut en fait. On se disait aussi qu'on est en 2010, 2011, 2012, que les gens aiment la basse, que les gens aiment aussi l'agressivité d'un drum kit, même si derrière c'est un truc très, très smooth, comme tu le disais, les claviers ou des fois des nappes de cuivre très planantes, quoi, effectivement. Mais en tout cas, ouais, c'était un gros, gros travail entre Joe et moi de trouver cette sonorité du beat, quoi. Merci beaucoup, j'ai hâte de voir le live. J'espère que j'imagine que vous prenez du temps dans les chansons aussi, qu'il y a des moments où vous laissez un peu de marge. De plus en plus, malheureusement, on est aussi souvent appelé pour des sets plus short. C'est plutôt les morceaux qu'on va pas faire, plutôt qu'on va rallonger ça aussi. Là, du coup, on sait pas si on fait Back in the Day. Non, on ne fera pas ce soir. Back in the Day ce soir, mais tous les autres, et sur Pure Channel il y aura des extraits. Merci beaucoup. Voté aussi. Ouais. Ah ben voilà. Donc c'est des extraits qui ne sont pas encore sur un support commercialisé et tout ça. Donc on est vraiment ravis de partager ça un petit peu avec vous ce soir. Et c'est un grand plaisir de savoir que vous connaissez l'album du début à la fin, avec les titres de chaque morceau, les minutages du moment qu'on se passe en jungle. Ça c'est vraiment cool. C'est normal. C'est mon métier. Merci beaucoup et bon concert, et on se retrouve ce soir. Merci. À tout à l'heure. Back in the day, rockin' hip-hop, making it back in the day, but back